nous pratiquons le SRU ici, il y a longtemps, vu l'importance des SRU et le rendement, tout le monde veut appliquer. Mais on a des contraintes. Les contraintes, c'est quoi ça? C'est le problème de main-d'œuvre et le coût des répiquages et des labours. Le semoir est très important pour nous dans la pratique du SRI parce qu'aujourd'hui, on utilise la main-d'œuvre pour faire le répiquage et on n'a pas cette main-d'œuvre à temps. Les jeunes font la migration dans les mines et dans les grandes villes. Donc, avec la présence du semoir, c'est même le semi-direct, 25 cm sur 25. Et avec cette machine, la productivité est là. Avec le SRU à la main, donc maintenant, labour et mise en boule, ça fait 60 000 francs. Et piquage, ça fait 60 000 francs. Les tout, ça fait 120 000 francs. Avec les semoirs, donc maintenant, labour, air charge et semi, ça fait 70 000 francs. Donc, vu l'écart, le semoir est venu pour pallier ce problème de main-d'œuvre, de ce problème de coût. Même l'entretien. Avec le travail, tout est en ligne. Donc l'entretien est facile, même la récolte est facile, tout est en ligne. Et avec la semence aussi, il y a l'économie des semences, parce qu'avec 25 kg, on peut répliquer 1 hectare, sinon il y a le reste même. Ça dépend du disque qu'on utilise. Et même du point de vue de la production, donc on a vu qu'il n'y a pas l'écart entre essayer de répliquer à la main et le travail fait à la semoir. Avec le semoir aussi, on peut atteindre de 7 à 8 tonnes à l'hectare. Maintenant, avec ces mois, il y a gain de temps. En 2 heures de temps, on peut semer une parcelle d'un hectare en 2 heures de temps. L'utilisation du semoir nous permet de respecter les calendriers agricoles parce que c'est plus rapide. C'est en semis direct. Le CIV est formé chez Nyumana. Donc, Omingera okera sawuye ne ka barake non kan ni malo dan malo bebe fale aline o malo bebe fale nyon dafe pe malo be kunda ma fana be ikile o kama senekala chama bina ne fe bo an mi se moro gla ka daga senekala ya la ine mu mi se ka bara no ya se moro gla ka no ma ni ran fly bo ran fly o dawra baga woni kama mi shi woni e falu bi se ko sama Ranani o dawra moto bidde be kama pour la sera Senegal na e ga sera baraka na o akara so be Senegal o France sera for chama sene o sera la fia kono se mo la katera an se mo dira mo chama ba sa mo lea ka so we ga da anafa kan Senegal o ba sa o ngo ba sa cooperative ba sa une parcelle semée avec le semoir tracté on peut faire le sarclage avec la daba. Donc, il n'y aura pas d'utilisation d'herbicides sélectifs. Donc, le semoir tracté est un outil agricole qui permet de faire la mise à échelle du paquet SRI et contribue à parfaire son caractère agroécologique.